Si déjà tu as des objectifs tracés, tu peux t'en sortir même au désert. Tu peux arriver au désert, tu vends même le sable. Le sable qui est en abondance là-bas. Tu peux arriver en Sibérie, tu vends la glace. Donc, c'est une façon de dire, il faut être motivé toi-même d'abord. Ce n'est pas des gens qui doivent te motiver. Toi, tu dois être motivé à 100% sur ce que tu veux faire. Tu vas t'en sortir n'importe quoi. Peut-être moi, t'as... Salut, très chers abonnés. Bienvenue encore sur la chaîne Le Pays. Alors, aujourd'hui, nous sommes avec un étudiant de l'Université agro-technologique d'État de Riazan avec qui il va se présenter. Je vais lui laisser le soin à lui-même de se présenter et puis on va lui poser quelques petites questions. Alors, bonjour, frère. Bonjour. J'espère que tu vas bien. D'accord. Alors, s'il te plaît, est-ce que je peux te présenter à la communauté qui te regarde et dire ce que tu fais ici et peut-être ton nom, depuis combien de temps est-ce que tu es ici? Bon, moi, c'est l'étudiant Fono Serge. Bon, je suis ici à Riazan depuis 4 mois aujourd'hui. 4 mois, 4 mois bientôt aujourd'hui. Je suis étudiant à l'Université agro-technologique de Riazan. Je suis en pas de fac. Pas de fac. On précise là qu'à pas de fac, c'est l'année où. Pas de fac, c'est l'année de l'âme. C'est l'année de l'âme. Un step obligatoire quand on vient en apprendre. D'accord. Ok, alors tu as dit que ça fait 4 mois que tu es ici là. Et comment tu fais pour vivre en Russie, s'il te plaît? Comment tu fais pour vivre au quotidien? Comment tu manges? Comment tu t'en sors avec tes frères? S'il y en a tes frères, il y a tes frères camerounais aussi ici, n'est-ce pas? D'accord. Et comment est-ce que tu fais pour vivre ici au quotidien? Oh, je me débrouille avec divers jobs que je trouve. Il y en a des jobs. Je me débrouille avec divers jobs, je fais plusieurs choses. Plusieurs choses. Bon, quand je demande comment tu fais pour t'en sortir, c'est déjà par exemple avec la nourriture, comment tu fais pour manger, est-ce que c'est cher, Non, peut-être les nourritures, tu as du mal à t'acheter des trucs pour non, manger. non. Côté nourriture, c'est basique. Donc, personne ne peut se plaindre ici côté nutrition. Il y a les pommes, il y a le riz, il y a les magasins à prix vraiment abordable. Ici, on ne doit pas se plaindre de la nourriture. C'est abordable, c'est là, on mange. Aucun problème. D'accord. Aucun problème au niveau de la nourriture. Ok, et au côté des jobs, vu que tu as dit que tu fais des jobs et tout, ce sont les jobs qui te permettent de pouvoir étudier l'année de langue et pouvoir travailler ou bien comment est-ce que tu fais cela? Bon, là. Il y a des jobs de nuit un peu. Je peux prendre le cas peut-être des restaurants Burger King. Le Burger King, lui, me permet de travailler en même temps, fréquenter puisque je travaille la nuit, de 21h jusqu'à 7h du matin. Ça me permet d'aller à l'école de 9h jusqu'à 14h. Bon, je rentre, je dors et je fais le cycle continu. Mais tout dépend aussi de l'étudiant. Tu peux faire des travaux en journée et en même temps tu fréquentes. Mais il va falloir que tu bouscules un peu ton emploi du temps. Mais là, c'est le problème que tous nous confrontons en première année. Puisqu'il va falloir que tu occupes ton année de langue et tu travailles en même temps. En première année, c'est un peu difficile. Mais sinon, on y arrive toujours. Donc c'est gérable. C'est gérable, c'est gérable. D'accord. Même pour les volontés. D'accord, merci beaucoup. Alors, du côté de la langue, comment tu fais pour t'en sortir? Ça fait 4 mois que tu es ici. Avant de venir, est-ce que tu avais appris la langue quelque part? Moi, j'étais à préparer les salons, je venais, bon, je commençais à la vérité. Bon, j'avais déjà appris la langue. Non, tu avais essayé d'apprendre la langue J'avais et tout. essayé Duolingo. Ah, ok, Duolingo, l'application Duolingo. D'accord. On rappelle que Duolingo, c'est une application qui vous permet comme ça de pouvoir réviser quelle que soit la langue que vous voulez. Il y a le russe, il y a l'espagnol, il y a l'allemand, il y a l'anglais, il y a également le français et plusieurs autres langues. Donc, tu as appris le russe via Duolingo avant de voyager. Et jusqu'à présent, avec les 4 mois que tu as vécu avec des Russes, et peut-être des Africains qui parlent aussi le russe, comment tu fais? Tu t'en sors déjà quand même? Bon, je peux me démarrer si je ne peux pas vraiment dire je m'en sors. Je ne peux pas dire que je m'en sors pas. S'il faut me noter personnellement, je peux dire je peux être au-dessus de la moyenne. Bon, partant peut-être sur une échelle de 1 à 5, tu penses que tu es à combien? Bon, 1 à 5, je peux me donner 3. C'est très bien, Je peux me donner 3. Non, c'est bon, Je peux c'est me bon, donner c'est bon. 3. Alors, après l'année de langue, qu'est-ce que tu comptes faire exactement? Bon, après, là, je compte faire un jury de transport. Ingénierie de Le transport. transport. Ah, d'accord. Les transports agricoles et tout, c'est ça? Oui, Ah, ok, transport agricole. d'accord, c'est très bien. Et l'ingénierie de transport, ça fait combien d'années ici? Bon, je sais, d'après mes recherches, c'est pour avoir le baccalauréat, plus mon année de lancement, ça me fait 5 ans. 5 ans. Pour avoir le baccalauréat. Ah, d'accord, Mais ça je fait beaucoup. compte faire plus. On ne fait plus. Oui. Donc ça veut dire que tu vas après, même ici, après peut-être tes études ici, tu restes en Russie. Oui, c'est ça l'objectif, s'intégrer. Ah, d'accord. Donc ça veut dire que tu es ravi de la vie en Russie ou bien? Bon, la vie en Russie, pour vous dire vraiment, elle est saine. J'aime l'endroit est joli, les personnes aussi sont décontractées. Même comme au tout début, n'importe qui, je ne sais pas. Là, c'est l'expérience que j'ai eue. Les Russes me frustraient. Ils marchaient, ils étaient un peu. Je faisais comment. Tu vois, ils sont un peu fâchés quand ils sont concentrés. Tu salais un Russe. Tu salais un Russe. Bon, ils ne répondent pas. Bon. Faut des temps restés avec, tu comprends que le blanc n'a pas la culture africaine. Quand on marche, on salue n'importe qui. Non, ce n'est pas comme dans nos villages. Oui, tu entres dans le bus, tu salues quelqu'un, tu salues tout le monde. C'est pas comme dans nos villages. Bon.
Avec le temps, je me suis habitué avec la petite langue que j'ai appris à parler. Quand j'entre dans le bus, peut-être je prends l'exemple avec les dames. J'entre dans le bus, je m'assois à côté d'une fille, peut-être je lui dis, du moment où je salue, privé, elle va me répondre privé. Dès que je me présente à elle, mon nom c'est Zavo Sergio, elle va répondre. C'est comme ça que la conversation commence. Ils sont vraiment vrais. Mais au début, là, bon, je ne savais pas compris. Je n'avais pas compris faire, le fonctionnement. Le risque, et puis, quand tu vois les risques, parfois, c'est comme s'ils ont des problèmes. Ils n'ont pas de problème. Ils marchent comme s'ils ont des problèmes. Ils n'ont aucun problème. Ouais, peut-être c'est le froid qui est frustré. Non, ils sont mauvais. D'accord. Déjà que quand tu essaies aussi de parler, je pense qu'ils comprennent que tu as l'envie de changer. Et puis, ils sont ouverts, en fait. Et ils aiment ça. Ils aiment voir quelqu'un qui veut parler de langue. Exactement. Ils aiment ça. C'est ce que j'ai constaté à mon esprit. Dès que tu essayes de parler, ils vont d'abord commencer à rire. Ça va être frustré que j'essaye de parler tout le monde. C'est bien après que tu comprends. Mais non, elle ne se moque pas peut-être de la façon dont tu parles. C'est qu'elle voit. L'envie, c'est que tu essayes de faire. Et tout. Et eux aussi, ils sont aussi attractés par les langues étrangères. Peut-être si tu parles l'anglais, un peu, des choses comme ça. Ils sont vraiment ouverts. D'accord. Ok, donc ça veut dire qu'après tes études ici, tu comptes être ingénieur ici. Si Dieu le permet. Si Dieu le permet, on met toujours devant tout le programme. D'accord. Si Dieu le permet. D'accord. Ok, alors, tu dirais quoi à ces jeunes Africains, peut-être de ton pays? Tu es de quel pays déjà? Camerounais. D'accord. Donc, tu dirais quoi à tes frères Camerounais, Africains, tous ceux-là qui ont cette envie de voyager pour venir ici, ou bien aller dans d'autres pays? Qu'est-ce que tu leur dirais? L'Afrique, rester en Afrique ou bien essayer quelque chose? Bon, tout ce que je veux dire, c'est première chose, c'est d'abord savoir ce que tu veux. À n'importe qui veut, que tu vas aller dans quel pays. Avant de quitter le chez toi pour sortir hors du continent africain, tu dois d'abord savoir ce que tu veux. Où tu pars, tu dois connaître la réalité où tu pars. Si déjà tu as des objectifs tracés, tu peux t'en sortir même au désert. Tu peux arriver au désert, tu vends même le sable. Le sable qui est en abondance là-bas. Tu peux arriver en Sibérie, tu vends la glace. Donc, c'est une façon de dire, il faut être motivé toi-même d'abord. Ce n'est pas des gens qui doivent te motiver. Toi, tu dois être motivé à 100% sur ce que tu veux faire. Tu vas t'en sortir n'importe où. Peut-être moi, quand je venais en Russie, bon, si je n'écoutais que la voix des gens au pays, je ne devais jamais venir ici. Mais c'est juste, on m'a dit, il y a la guerre en Russie, les Russes sont racistes, des trucs comme ça, c'est un pays pourri. Mais moi, je peux conseiller quelqu'un à venir ici peut-être avec mes 4 mois d'expérience. La Russie, il est bien vrai, la Russie n'est plus comme elle était dans les années 2001, 2002, 2003, 2004. D'après ce que je vois, ils sont très ouverts. Et je ne peux pas dire. En tout cas, depuis que je suis ici, les parents ne m'ont pas envoyé encore 5 fois. Je peux dire, surtout, je suis dépendant de moi. Au contraire, c'est moi plutôt qui aide les parents. En 4 mois, j'aide les parents. Que tu peux faire plus tard, c'est grandir. Donc, il faut dire que vous en sortez ici, je ne vois pas comment décourager d'autres personnes. Je ne peux que vous encourager. Alors, si vous savez ce que vous voulez faire dans la vie, les précisions, mais si tu ne sais pas où tu veux faire dans la vie, tu vas te mettre au paradis, tu vas chier au paradis. C'est un peu le conseil que je te donne à quelqu'un. D'accord, merci beaucoup Sergio. Vous avez compris, Sergio, il dit, même si tu pars en Sibérie, tu peux vendre la glace qui est en abondance en Sibérie. Même si tu pars au désert, tu peux vendre le sable qui est en abondance. Le tout, c'est de savoir, de garder le mindset, de savoir ce que tu veux avant même de te décider à quitter de ton pays ou bien même de quitter de ta maison. Parce que tu peux décider de quitter de ta ville pour aller dans une autre ville et puis tu vas t'en sortir. Quitter même de ton pays en Afrique, aller dans un autre pays en Afrique, tu vas t'en sortir. Mais l'essentiel avant de bouger, c'est de savoir ce que tu veux. C'est ça, c'est le vrai. Je peux ajouter un truc. Il y a aussi un truc pour ceux qui doivent venir en Russie. Mais pas un truc. Je peux appeler. Il y a une certaine catégorie d'Africains en Russie, d'Africains en Russie que je peux appeler. Je cherche un mot pour les qualifier. Je peux dire des blessés de guerre. Quand je dis blessés de guerre, c'est peut-être ceux qui étaient là avant vous. Ils n'ont pas pu réaliser certaines choses. Quand vous arrivez, vous les nouveaux, ils vont vous saper le moral avec des choses vraiment, avec des histoires dormies debout. Oh, tu es venu chercher quoi ici? Les trucs comme ça là. Je ne sais pas. Peut-être, comme je dis, sont des blessés de guerre. Ils vont vouloir vous démoraliser, donc te saper le moral à zéro. Mais comme je dis, si tu as le moral au top, tu sais ce que tu es venu chercher, tu sais ce que tu es venu faire, tu te concentres dans la langue, puisque la langue aussi c'est la clé pour tout point qui est exactement, exactement. La clé pour toute chose que tu veux faire, tu vas t'en sortir. Donc n'écoutez pas les ondits, les blessés, les gars, ne les écoutez pas. Ici, c'est ouvert. C'est beau, juste le froid qui menace la bon, c'est bon, on va passer au froid. C'est ouvert, ce n'est plus comme avant. D'accord. Comme avant. Ok, merci beaucoup Sergio d'avoir accepté de répondre à nos questions. Vivement la prochaine fois. Merci beaucoup.